Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo après un mois d'absence. Et d'ailleurs, je m'en excuse. D'ailleurs, je tiens à dire que je suis très active sur mon compte TikTok que je vous mets juste ici. Et c'est parti pour un nouveau scrapbooking sur le mois de printemps. Bon visionnage. Alors pour commencer, j'ai pris un bout de papier que j'ai découpé en forme de rectangle. Ensuite, j'ai dessiné dessus des sortes de quadrillages pour faire un fond. Et par-dessus, j'ai écrit Spring, qui veut dire printemps, mais en anglais. J'ai bien rempli le mot en noir et j'ai également essayé de faire des belles écritures pour que le titre soit le plus joli possible. Ensuite, j'ai pris mon bâton de colle et j'ai collé le dos du papier. Et je fais toujours comme dans mes autres scrapbooking, je le colle en coin de page. Ensuite, j'ai également sorti mes stickers spéciaux pour le printemps. Je savais pas trop lequel choisir au début, mais j'ai eu l'idée de prendre celui-là et de le coller comme ceci. Ensuite, j'avais colorié des feuilles blanches que j'ai un peu déchirées. Je précise que j'ai utilisé qu'une seule feuille blanche pour faire ces trois parties. Ensuite, je les colle comme ceci, les uns derrière les autres. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire des sortes de cochages, je ne sais pas vraiment comment on dit, de faire des petits rectangles arrondis et j'ai écrit à côté des choses qu'on pouvait voir en printemps, comme les fleurs qui poussent, le soleil, les belles couleurs et également les plantes. J'ai tout repassé en noir pour que ce soit plus joli et au niveau des petits rectangles arrondis, j'ai dessiné un peu d'ombre. J'ai pris mon stylo rouge pour cocher l'intérieur des cases. Ensuite, en haut à droite de la feuille, j'ai commencé par dessiner des petits nuages au crayon papier que j'ai ensuite repassé au feutre noir. J'ai sorti mes autocollants de nouveau et je savais pas trop si la plante j'allais la mettre ici ou ici. Mais j'ai préféré cet endroit. Et ensuite, sur la partie verte, j'ai dessiné des petits oiseaux en M. J'ai également rajouté une sorte de citation. Ce n'est pas vraiment une citation, mais c'est plutôt une petite phrase sur le printemps, bien évidemment, que j'ai repassé en noir encore une fois. J'ai pris un deuxième autocollant que j'ai collé juste ici. J'ai ensuite rajouté quelques décos. Et j'ai aussi dessiné des petites étoiles et une lune avec les nuages. Donc voici ce que ça donne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-là. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !